Quelle maladie a votre plante? Qu'est-ce que cela veut dire quand les feuilles d'une plante deviennent jaunes, pourries ou tombent? Que faut-il faire pour protéger les plantes des maladies et les soigner? Quel entretien faut-il apporter aux plantes de jardin ou de balcon pour les protéger? Nos conseils pour soigner vos plantes. Quelle maladie a ma plante? Les feuilles de la plante deviennent jaunes. Quand les feuilles d'une plante jaunissent et tombent, cela veut dire que la plante manque d'eau. Il faut alors mouiller la terre et humidifier les feuilles. Ou cela veut dire que la plante souffre d'excès de calcaire. Il est donc conseillé d'utiliser un mélange terreux non calcaire. Les feuilles de la plante deviennent brunes. Quand le feuillage d'une plante brunit, cela veut dire que la plante est brûlée par le soleil. Il faut donc changer son exposition ou la protéger. Quand le feuillage d'une plante se flétrit, cela veut dire qu'il a trop ou pas assez d'eau. Les boutons de la fleur tombent. Quand les boutons des fleurs chutent avant d'éclore, cela veut dire que l'atmosphère est trop sèche ou qu'il y a eu une brusque chute de température. Les feuilles et la tige de la plante pourrissent. Quand le feuillage et les tiges d'une plante pourrissent, cela veut dire que les plantes ont des vers. Il est conseillé alors de mettre un fongicide dans l'eau d'arrosage. Comment protéger les plantes des maladies? Protéger les plantes du froid en cas de gel, les plantes en pot, les jeunes plantations et les plantes à feuillage persistant ont besoin d'être protégés. Le froid n'agit pas que sur les feuilles des plantes mais aussi sur les racines, l'eau contenue dans la terre gèle, et augmentant de volume, comprimant les racines, les blesse. C'est évident, il ne faut jamais arroser les plantes quand ils gèlent, surtout quand elles sont dans des pots. Il est conseillé aussi, par grand froid, d'envelopper les plantes dans du papier à bulles. Mais dès que le soleil apparaît, il ne faut pas oublier de le retirer. Les plantes risqueraient de s'échauffer, comme dans une serre. Protégez les plantes de l'ombre. Si votre balcon est situé au nord et à l'est et que les rayons du soleil se font rares, vous pouvez quand même avoir des fleurs, à condition de déplacer souvent les pots, et de préférer les plantes de terre de bruyère, comme les camélias ou les hortensias. Bien entendu, pour aider un peu leur croissance, il faut un complément à ces plantes. Il est donc conseillé de les nourrir tous les 2 mois, avec une solution composée de 2 tasses de fumure type or brun et de 12 litres d'eau. Protégez les plantes du soleil de préférence. Il faut protéger vos plantes des rayons du soleil et les installer à l'abri d'un arbre ou d'un massif d'arbustes. De l'engrais pour protéger les plantes. Les engrais, moins nécessaires en hiver, sont indispensables lorsque la période de croissance de la plante commence. Chaque semaine, ajoutez-en à l'eau d'arrosage. Attention toutefois à ne pas dépasser la dose conseillée. Trop d'engrais peut tuer une plante. Truc engrais, ne jetez plus les cendres de bois de votre cheminée. Elles feront un excellent engrais pour vos plantations. Ne jetez plus les feuilles de thé, mais incorporez-les à la terre à l'aide d'une fourchette. Ne jetez plus vos fonds de vin, mélangez-les à l'eau d'arrosage.